وي سيدي دي توالي انتي كو 5 قلاغ ساكين 28 يناير 83 سبوا سن سبوا سمين اغي جا سليمان نازم يا وين دي جا سليمان نازم دي سنتا لي كشنا ماشي ديوان يشنا دعني جي اس كا جي اس كا يقرر ليسبوار دو كابيلي اهي تقثم سلايك زغام اولا في جي اس كا وسانكين ماشي ديوان ديوان تيدي تمسلين في اللاس اما ديك زطان تمتسي اما ديك غميسن اما تيلي زغيوين ولا تي كيو 5 بويا عندك اني كيران تذويلين مانا الساكين تسجيل تسيا وسيا كنسوها ما تسطاس اشكو زغام داكن تي كيو 5 تروحو يا الفغمار ندونيث اما ديما زيغان ديما لان ديما تيديغان دي فيختو كافا ذاغان يقبليين ديما زيغان ديما تيديغان ديما ضال وذاغان أنا واحد سث مثلا نار إفريقيين إفريقيين لأن كثير ذي قلني من قارة تفريق تفريق ثبان كانت نار على فريق نوار تصير أن وث مثلا نار إفريقيين يتحملن طاس مثلا يقبلين يتعزون طاس يكون يتفكر مثلا يقبلين لدغة جذل كنين وفير ديون أكيد سي كوت ديفوار يتصير كذا يدر ذي طليان يغالي تصير دي فرنسا سي زوج الاف في كفار تموت يتساوي الكوليس جي اس كاس قسمي قال لي موثيس الكوت ديفوار إيه نروح نناياس تنسقسين ايوا شو يكمل جي اس كار او ثورا مازال يتبعيت غسل ما يدير دي الطليان ويتيدي هكا ثورا دي فرنسا وكين دماس شارل ديحو وماينير ازول في اللايك شارل ازول ازول Je sais que Charles, tu n'as pas tout compris. Tu n'as pas tout compris de ce que j'ai dit. J'ai fait une introduction sur à peu près le 38e année depuis l'année, la mort de chanteur de la chanson kabyle, Slimane Nazem, qui a chanté GSK, Espoir de Kabylie, et que j'ai dit comme quoi, au sein de l'Afrique, notre continent, on a des frères, si on peut dire les choses comme ça, africains qui aiment la GSK, parmi eux Charles Deho. Maintenant, avant de rentrer dans le détail pourquoi vous aimez la GSK, ça serait bien de nous introduire qui est Charles Deho. Oui. Ben, c'est Charles Deho, il est né le 19 novembre 1914 en Côte d'Ivoire, à Mans, qui est une ville qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui est beaucoup montagneuse. Voilà. Il y a 18 montagnes qui font le tour de la ville. Donc, c'est un peu le même paysage que la Kabylie, voilà, que j'ai découvert à travers le grand écrivain Feraoun Mouloud, à travers son livre « Le fils du pauvre », que mon professeur de français, M. Wawa Gervais, nous a fait lire une partie. Et depuis ce jour, en classe de 4e, à l'âge de 14 ans, j'ai aimé comme ça la Kabylie. Et ensuite, j'ai découvert le club la JSK en 1988. Et depuis ce moment, je suis fou amoureux de ce club que j'aime, je porte vraiment dans mon cœur. Donc, c'est Mouloud Feraoun, l'écrivain kabyle, qui vous a aimé la Kabylie, c'est ça? Oui, à travers son livre, voilà, Le fils du pauvre. Donc, vous retrouvez un peu dans son parcours de l'enfant kabyle. Est-ce que vous trouvez le même cliché dans votre village à vous? Ah oui, mais c'est en tout cas, c'était adapté aussi à ma vie aussi en Côte d'Ivoire, vivre dans un petit village montagneux comme la Kabylie. Bon, je me suis retrouvé dedans, en tout cas, ça m'a passionné. Même j'ai, il y a des amis qui me suivent, j'avais un surnom, m'appelait Menrad, le fils de la Kabylie. Waouh, wow, tellement j'aimais le test. Voilà, j'ai fait même un exposé qui a été, j'ai eu 16 sur 20, et depuis ce jour, voilà, l'amour de la Kabylie est parti comme ça. Et à l'âge de 14 ans, vous avez connu le fameux club kabyle GSK. GSK. Oui, vas-y. En ce moment, c'était le Barça d'Afrique. Donc, voilà. donc tout est parti comme ça. Est-ce que vous avez découvert GSK grâce à une rencontre avec une équipe ivoirienne ou comment ça s'est passé? Oui, oui. Et non, d'abord, comme ça, il y avait un journal en ce temps qui s'appelait Afrique Football, qui était beaucoup distribué en Côte d'Ivoire. Et c'est là que j'ai connu la GSK à travers la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et puis après, l'amour est venu encore plus quand ils sont venus jouer en Côte d'Ivoire contre l'Africa Sport,
qui est l'équipe de ma famille. Et j'étais le seul à la maison qui supportait la JSK. Et voilà. Et c'était ma foi. On m'a fait des fessées, en tout cas, pour cela. Donc, JSK joue avec l'Africa Sport, qui est un club de Côte d'Ivoire. Et vous, au sein de la famille, vous supportez JSK, c'est ça? Ouais, voilà, j'étais le seul. Toute la famille, c'est Africa Sport. Oui. Et je suis le seul qui souhaitait la JSK. La JSK nous a battus. Donc, et qui a gagné cette... Et c'est qui a gagné ce match-là, Africa Sport contre JSK? C'est qui a gagné? JSK, parce qu'il y avait le... Oui, quand il y avait le match aller à Abidjan, qui est fini, je crois, demain, puis même le match retour, c'était très chaud, hein. Et la JSK a gagné par la fin, j'étais très content et j'ai eu des fessées à la maison. Ah, c'est incroyable, hein, incroyable. Donc, ouais, vous avez ensuite suivi le club phare de la Kabylie, JSK, depuis. Hein. Vous connaissez un peu tout les rouages qui se trament autour de JSK. Est-ce que vous êtes au courant de la crise actuelle de la JSK? Ah, bien sûr, parce que voilà, il y a un blog qui est là, que je suis très souvent, voilà, qui s'appelle JSK, l'équipe de la Kabylie. C'est une page Facebook où il y a plus de 45 000 personnes. Wow. Voilà. Et je l'ai découvert comme ça. Je vous dis, le premier confinement, j'étais à la maison, je m'ennuyais, et puis bon, je cherchais la JSK et j'ai découvert la page Facebook et je me suis présenté. Voilà, Charles, j'ai dit mon histoire, j'ai connu la JSK à travers l'écrivain Firaoun, voilà. Et bon, j'ai éteint mon portable, j'ai fait la sieste, je me suis réveillé à 17h, il y avait plus de 3000 personnes qui m'ont écrit. J'ai dit wow. Il y a eu des coups de fil de partout. Bon, je me suis fait plein d'amis sur Facebook, comme ça, voilà. Les gens me demandent, comment tu connais la JSK? Et voilà, et j'avais acheté le maillot avant ça, et je l'avais porté à Paris. Et à Port-de-Saint-Ouen, au plus, parce que j'avais un chantier. Mais je vous assure, pour faire les 50 mètres, il fallait au moins 2 heures de temps. Tout le monde m'attrapait. Viens ici, où tu connais la JSK? Jonathan, c'est quoi ça? Mais JSK, mais comment tu connais la JSK? Partout, en tout cas à Paris, tout le monde me connaît. Voilà, mon boucher ici, j'avais porté le maillot. Bon, c'est mon maillot, mais au lieu de porter Barça, Milan AC, non, moi je porte ça. Donc, il y a à côté ici, j'étais allé à un bar avec un ami, je prenais un café. Il y a un monsieur qui est passé une fois, deux fois. Il dit bonjour, monsieur, dit bonjour. Vous savez ce que vous avez là? Il dit, c'est le maillot JSK. Il dit, en bon. Vous savez ce que c'est? C'est le bon club de cœur. Il a commencé à pleurer. J'étais mal avec mon ami, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis derrière, il y a Ebossé. Voilà. Paix à son âme. Oui, il a laissé un grand vide, une grande tristesse chez les Kabyles, chez tous les Kabyles. Oui. Ah, voilà. Donc, j'avais le maillot, waouh, il est resté là avec moi. Il dit, voilà. Donc, il y a aussi à côté, il y a chez l'épicier, quand j'y vais, souvent, je ne paye pas quand je fais les courses. Et non, toi, tu ne payes pas. Ah. Non, toi, tu ne payes pas. Et voilà. Donc, vraiment, c'était. Et puis, j'avais juste dans le bâtiment, je suis conducteur de travaux. Et j'avais un grand chantier où je travaillais. Et le chef de chantier, il s'appelait Hakim. Oui. Comme on appelle le. Bon, il est Kim. Voilà, il ne savait pas. Donc, un samedi, on travaillait 2 heures de temps, 3 heures de temps. Je suis allé avec mon maillot, comme ça, passé. Il m'a dit, mais Charles, attends, tu supportes la JSK? Il dit oui. Il dit non. Moi, c'est Kabyle. Mais bon, on a commencé à discuter et je lui ai offert le ticket d'entrée. Il y avait le match amical JSK, le Resta, il y a 2 ans environ, ici à Paris, à Saint-Gatien. Et lui ne le savait pas. Et moi, je savais que la JSK jouait un match amical. Et je suis parti, arrivé au travail. Il dit à qui? Oui. Tiens, il dit, qu'est-ce que c'est? Et donc, il y a la JSK qui joue le 26 mars. Il dit non, il est tombé, non. Attends, moi, Kabyle, je ne suis pas au courant. En tout cas, on est très beaux amis. Il m'a dit non, toi, je t'envoie en Kabylie. Il dit d'accord, je viens avec toi. Donc, il y a des très belles histoires comme ça, puis des personnes très attachantes. On m'appelle de par-ci, par-là, frère, voilà. Quand la JSK joue, quand je n'ai pas le résultat, la minute qui suit, j'ai tous les résultats. Wow. Voilà. Donc, j'ai fait l'abonnement Beansport pour pouvoir regarder les matchs à la maison. Maintenant, Charles, j'aimerais bien, puisque vous aimez tant JSK, j'aimerais bien savoir quels sont les joueurs de la JSK qui vous ont marqué le plus. Ben, comme ça, je commence tout de suite par le portier Serba,
très très bon aussi, qui a fait aussi les beaux jours aussi de l'équipe nationale d'Algérie. Voilà, le Kabyle aussi, Ali Fergani. Oui. Et on peut parler de tout le monde, mais sans oublier le buteur d'or, voilà, Bouiche, que tout le monde connaît. Voilà, tous les grands clubs d'Afrique savent, ont tous goûté à comment on appelle, à ses doigtés au niveau de faire des buts. Et sans oublier, comment il s'appelle, Médane. Oui, mais Et pour parler aussi, Médane, voilà. Donc, c'est des personnes qui me sont beaucoup restées dans le cœur. Voilà, voilà. bon, moi, je peux aller au-delà, hein, tout ce qui cela représente aussi comme Kabyle à travers le monde. Bon, tout le monde connaît Zinedine Zidane, la Oui. légende Zinedine Zidane, Karim Benzema qui font aujourd'hui les beaux jours du Real Madrid. Voilà, bien avant eux, voilà, il y avait la mascotte du Paris Saint-Germain où je vis, la ville de Paris, voilà, Mustapha Dalebbe. Ah oui, Je il est crois que les connu. plus jeunes ne peuvent pas le connaître. Voilà, donc il y a lui. Et puis bon, sans compter quelque chose qui est rentré dans le vocabulaire du football mondial, qui s'appelle la Madjer. Voilà, cette talonnade en finale de la Coupe des clubs champions, je crois que c'est en 1987, hein, si ma mémoire est bonne. Voilà, Ah, où Rabat Madjer sans. donc vous savez que Madjer est un Kabyle, hein, il s'appelle Rabah Madjer. Rabah Madjer, d'ailleurs, c'est les Ah Kabyles oui. qui s'appellent Rabah en général. Hein. Rabah Madjer, c'est un Ah, Kabyle. d'accord. Il est de Tixi, Voilà, donc. justement d'origine de Tixi. Il a joué dans un club algérois et s'est rendu plus tard à Porto et il a porté. À Et, Porto, oui. oui, c'est ça, Porto. Oui, il a fait ses belles talonnades, voilà. Donc, Rabat Madjer, et puis, comment on appelle. Bon, il y a celui dont je me référais quand je jouais au football, voilà, ce latéral, Merzekan, ce grand Kabyle, mais qui a fait les beaux jours d'un club. Algérois, que je ne vais pas citer parce que voilà, moi aussi je Voilà. parle seulement de la GSK. Eh bien, mon cher Voilà. Charles, vraiment, je vous tire chapeau. Vous connaissez parfois mieux que moi que certains joueurs. Hein? Donc, Ah bon, non, je non, connais bien sûr, non. mais je ne savais pas que vous savez que Madjer Rabah est un Kabyle, Chaban Merzkan est un Kabyle, effectivement. Ça, je ne savais pas. Enfin, je savais pour Rabah, mais pas pour Merzekan, si bien que les téléspectateurs le sachent aussi. Charles Dahoyakin, GSK, Imiouarik Veilien, Souha Kniwata, Ben Belien, Dwin, Charles, Dwin, Tewin, The Goulis, Machacha GSK, Ura. التموثن يقبليين شكو يزرع وغاد كريم بنزيما زيدان يقبليين مصطفى دحلب بك من أكيد دينا إسقوسن لغة من باريس سان جيرمان ديك سكوس من السبعين حتى تولي مثول في ثاكينس كيني بيرسونالمون دوين داني ما كان تصص ملي مشطوحه مصطفى دحلب هكا كان راح اسس سيني ظن سيني شارل شارل لوتر كيسيون كي سوي اسكو فو بوفي ميكسبليكي qu'est-ce qui se passe actuellement à la GSK? C'est quoi le problème, d'après ce que vous suivez, à gauche, à droite? Ben, je suis en tout cas avec beaucoup de peine au cœur, c'est qu'ils sont en train de montrer au jeune président Chérif Merah. Je crois que le plus important, c'est l'avenir du club, le présent du club aussi. Donc, cette montée de, comment on appelle ça, du dégagisme pour Chérif Merah, vraiment, ça me fait mal au cœur. Et j'aimerais que, bon, on le laisse travailler, qu'il finisse son mandat. Et puis, bon, après, on peut passer à autre chose si les résultats ne sont pas bons. Mais ce que je crois que le club qui était prêt d'aller en Ligue 2, aujourd'hui joue la Coupe d'Afrique, la Coupe CAF, c'est déjà quelque chose de très positif. Et malgré tout ce que le club est en train de vivre, je vois des résultats positifs depuis un certain moment, voilà, avec l'arrivée de l'entraîneur Lavagne. Bon, c'est vrai, tous les clubs ont des passages à vide, mais je crois qu'il faut donner le temps au président Chérif Merah de faire du bon travail pour que nous puissions avoir la JSK qui redevienne le Barça d'Afrique qu'il a toujours été, la fierté de l'Afrique. Voilà, j'espère que voilà, mon club de cœur revienne comme il est. En tout cas, je souhaite qu'il y ait beaucoup de tranquillité, de paix. Voilà, parce que sans la paix, sans la cohésion, sans l'union, il n'y a rien de fort à se faire. Et le peuple kabyle, les Berbères, c'est des personnes
de beaucoup de qui nous qui moi me donne de la valeur dans la vie. Voilà, l'amitié, le respect, l'attachement à la culture, à sa terre. Voilà, moi j'ai appris ça à travers qu'on appelle Firaoum. Donc pour moi le berbère c'est quelqu'un de qui donne sa vie pour l'autre. Voilà, comme on appelle ça le roi Massinissa. Voilà, wow. Qui était là, je crois, 238 avant Jésus-Christ, qui a dit l'Afrique aux Africains. Voilà, donc wow. C'est toute cette histoire, toutes ces valeurs ancestrales enseignées par ce grand peuple berbère. Quand je vois aujourd'hui son porte-flambeau, voilà. Et je vais dire aussi, la JSK n'appartient plus seulement à la Kabylie, elle appartient à toute l'Afrique. Wow. Voilà, donc... voilà, ça me fait vraiment la peine au cœur, mais je sais que oui, on aura la sagesse de pouvoir revenir et avoir plus de sérénité pour que voilà, les Canaries redeviennent le flambeau du continent africain. Et pourquoi pas être une lueur pour tout le monde. Vraiment, ça fait chaud au cœur, mon cher Charles. Je vais me permettre de traduire ce que vous venez de dire dans notre belle langue, la langue kabyle. Tout le monde est maintenant ici ce matin, Charles, la zone qui est imslaine qui est dina, qu'est-ce que soul, c'est une hamel jaska à ouher, nous tous n'y accueillons, si tu as un qui est éwekan de couvrir au Canada sur l'air, il y a un thème technique, thème celt, notre magie, l'identité, la jaska qui déclare dual, à qui nous l'enseigne, à l'image de notre histoire, il déclare pouvoir et puis à l'image da yelidna masinisa dluhayem yudduna shuntali dige igla masinisa idinan tafriq tistankan ma fiki zafrikan atana afriqiyen tahmil jiaska khatr zan bli imaziran kiki zul machi haja zul tafriq khatr kiti dina deja ya kan gomo الكتاب يودس الدكتور شارل ديهو انك بلي ولا قرات تغلي جي اس كان هو دي قاض على لي ثغرا لي تزوات دينا انك الا قصني فيك شي طاح لا شونس اي والسلوايا كي المزير شريف من لاله شتو اشكو ثان دي ثغرا نروح جي اس كان دي قام بلي ثغال السلبعيف وعلى ثان قالت لي بلي لا غي تروح لا غي ليغاسيون تصوب سحري شوي السينا دوزيام ديفيزيون ثاني يا نتيد الا ما ثغال ثلاث ثغرا تقبوش تفريق وكين ديزن ديزني فغان اردش كاع وكنس نفكش طاح كوكود الشريف من الالي وكني هذا السقم هذا ونا جياس كان ماشي ذي عكيران نا ذي غبلانا السيران كي يغي ضغنيس وكني الثغلين دونك فو كروايي كو شارل كو الشريف من الال اي لا لو بوتونسييل دو ريدريسي لا بار سي اون لو لاس ترانكيل. Oui, je crois. Il est jeune, voilà, il a déjà son parcours qu'il a fait, il s'est construit en Allemagne, tout le monde sait. Donc, c'est quelqu'un qui a un programme. C'est vrai, la JSK, je comprends, hein, on veut tout de suite des résultats. Mais très souvent, je crois que comment on appelle ça, un travail de fond donne toujours des résultats qui durent dans le temps. Voilà, donc je crois qu'il faut lui donner le temps de faire la base, elle est déjà faite, de lui donner la preuve que c'est quelqu'un qui peut faire du bien au club. Voilà, donc je crois qu'il est très tôt pour qu'on fasse du dégagisme et ça n'apporte à rien. Il s'en va, on met un autre, après deux défaites, il s'en va. Rien de consistant ne se fait. Regardez aujourd'hui le Barça, après tous les trophées qu'ils ont eus, bon, ils ont compris qu'il faut construire. Voilà, donc il y a Messi qui est resté, ils sont en train de faire de la construction. Donc moi, je crois qu'il faut donner à Chérif Milal, qu'on appelle là, le temps. Donnons-nous encore le temps, voilà. Vous allez voir que la JSK va redevenir le Barça d'Afrique, va redevenir le porte-flambeau, voilà, du meilleur football, voilà. Parce que les magiciens, ils viennent tous de la Kabylie. Zidane est là, Benzema est là, voilà. On a vu du Rabat Madjer il y a un peu de temps, voilà. Donc, je crois que donnons le temps au président Chérif Mela de faire du bon travail, de la sérénité. Ne lui faites pas la pression, il a besoin de sérénité, de tout le soutien de nous tous. Pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà, divisé, on va nulle part. Unis, on va très loin. Wow. Donc, c'est mon message. Merci pour votre message, mon cher Charles Deo. J'espère vous voir un jour. Visitez la Kabylie. On sera heureux de vous recevoir. Et ça va venir, certainement. Donc, je vous laisse dire votre mot de la fin, Charles.
Voilà, mon mot de la fin, je vais revenir sur le roi Masinissa. Oui. Voilà, voilà. Donc pourquoi? Parce que il y a un écrivain congolais, Auguste Ngomo, qui a Oui. écrit un livre sur lui, voilà, Messinava, la légende. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, beaucoup de choses sont parties des Berbères. L'Afrique aujourd'hui a pour référence, et les Berbères, ils sont partout. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Si on revient au roi qui a dit l'Afrique aux Africains, ça veut dire que oui, la source même de notre unité africaine, la source même de l'amour que nous avons comme nous tous frères, vient de quelque part, de ce roi-là. Voilà, 238 ans avant Jésus-Christ. Il Oui. était il y a très longtemps. Il avait déjà dit, personne ne savait qu'aujourd'hui, ces paroles-là, non, nous en avons besoin. Donc, pour moi, je vois à travers la JSK, je vois aussi le roi Masinissa, parce que ces couleurs que je porte ici, jaune-vert, ont un sens très, très, très profond. Voilà, parce qu'aucun club au monde n'a un attachement comme ça de son peuple, de ses supporters. Voilà, donc quand moi je porte ces maillots-là, ça veut dire aussi que je me sens berbère, je me sens kabyle. Voilà, je suis un fils de Tizi Ouzou. Voilà, toutes ces collines là-bas m'appartiennent, tout ce beau paysage m'appartient, toute cette neige qu'il y a en ce moment m'appartient. Donc c'est cette appartenance-là, non? C'est cette valeur d'amitié, d'amour, d'entraide que j'ai eue ici. Il y a beaucoup de Kabyles à Paris, parce qu'aujourd'hui quand je passe partout, tout le monde me connaît. Voilà. Donc ça me fait chaud au cœur et très heureux de parler aujourd'hui à tout ce beau monde, à tous ces Kabyles que je connais, que je connais pas. Voilà. Mais je serais heureux un jour de venir là-bas. Quand le stade sera fait, après le Covid-19, voir un match JSK à l'ouverture contre, j'espère bien, avec un club berbère du Maroc, pour que encore l'Afrique encore plus se souder. Et je vais plus loin. Il y a beaucoup de jeunes Africains comme moi, Maliens, Sénégalais, Burkinabés, qui étudient dans les universités berbères, en Kabylie. Tout ça, c'est ça il faut. Donc, quand le roi Masinissa disait l'Afrique aux Africains, ça y est là. On va apprendre la connaissance là-bas. C'est la connaissance qui nous manque, on se la donne entre nous, Africains. Et je pars en Côte d'Ivoire en avril, avec des amis, on est en train de créer un club d'amis Côte d'Ivoire Kabylie. Avec un ami, on a créé un club, un petit club, hein, voilà, c'est des jeunes après la guerre en Côte d'Ivoire, donc on leur donne envie de vivre. Et ce club US Saïwa a les couleurs de la JSK. Je vous enverrai après le truc. Donc voilà, on est jaune, on est canari aussi. Donc mon amour indéfini pour la Kabylie, pour la JSK ne mourra jamais. Et j'espère que bientôt, très bientôt, ce club redeviendra champion d'Afrique. Vous voyez les étoiles, hein? Il y a encore de la place, donc il faut mettre encore plus d'étoiles. Donc, je serais très heureux de partager cette belle joie et la victoire reviendra et laisser en paix le président Chérif Mela travailler. S'il a échoué, il va partir. Mais ne l'emmenez pas par rapport à des positions mesquines qui ne nous apportent rien, seulement que la division et le club. Si la JSK perd, moi, je ne mange pas chez moi à la maison. Je vais toujours manger et grossir. Donc, laissez le président travailler et on verra la suite. En tout cas, merci beaucoup de me donner cette possibilité, Rachid. Merci beaucoup à toi, Charles. Est-ce que c'est une dimension internationale de l'Afrique, Non. partout, je tranquille, je la stabilité, parce qu'une certaine Sahara, la stabilité, De la stabilité, oui. mais la stabilité, où tu donneras les résultats. N'est-ce pas? S'il n'y a pas de stabilité, il n'y aura pas de résultat. Donc, ça va aller Une en gagne, arrive, une arrive. on perd, on gagne, on perd, parce qu'il n'y a pas de stabilité. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça. Il faut la stabilité et surtout l'union des JSKistes. Voilà, l'union. Voilà, on a tous un amour, c'est la JSK. C'est ça on doit regarder, pas les hommes. Dernière question que j'ai oublié d'ailleurs de poser, parce que nous sommes le 28 janvier, c'est le Ah 30e oui, ah oui. anniversaire, enfin, année depuis la mort de celui qui est derrière mon écran. Est-ce que vous le connaissez, Oui. Charles? Vous connaissez le Mais c'est le Charles Aznavour de Kabyle. Voilà, c'est la meilleure voix in absolu. Voilà, le grand Slimane Azem.
Waouh, vous connaissez. Et c'est lui qui a chanté, c'est lui qui a chanté l'espoir de Kabylie. Mais au final, oui. L'Afrique entière. Voilà, pas seulement la Kabylie, c'est devenu la GSK, c'est l'espoir de toute l'Afrique. Voilà. Très bien. Et vous connaissez aussi Matou Blounès, il a chanté beaucoup GSK, Matou Blounès aussi, non? Mais lui, c'est qui ne connaît pas Matou Blounès. Moi, je l'appelle le Rossignol Kabyle. Très belle voix. Ça vous a touché la mort de Matou Blounès? Ça vous a touché la mort, l'assassinat, pas la mort, l'assassinat de Matou Blounès? Ah oui, là, bon, attendez, en tout cas, c'est... Bon, les choses difficiles comme ça, c'est... j'aime pas trop en parler, mais ça m'a beaucoup touché, beaucoup peiné, voilà. Ouais. Il y a un troisième chanteur célèbre, Kabyle, qui a chanté la GSK. Est-ce que vous pouvez nous le dire, c'est qui? Le nom va me venir. Lounis Aïd Mengele. Waouh! Si je prononce bien le nom. Vraiment, sans mots, je n'ai pas de mots. Fihlawan, Fihlahdra, Osaïd Slayen. Athan et Sun, Amoudmir Velayen, Ladjem. Effectivement. Voilà, j'ai bien prononcé, j'espère. Lounis Aïd Mengele, effectivement, c'est un de nos célèbres chanteurs qui a chanté aussi GSK à côté de Slimane Azem et de Matou Blounès et bien d'autres, le Khaloui Lounès, Zdek Mouloud. Et on a plein, pratiquement beaucoup de chanteurs qui, Majid Soula, beaucoup ont chanté la GSK parce qu'effectivement, non seulement comme disait Slimane Azem, l'espoir de Kabylie, mais aussi comme dit Charles Dehaut, l'espoir de l'Afrique. De toute l'Afrique, voilà. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà. Charles, donc, merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir. Non, c'est moi qui vous remercie. Hein. C'est moi qui remercie beaucoup. Voilà, ça a été un plaisir. On va se voir au nouveau stade de Tizi Ouzou à l'inauguration. Ça, on va le faire. Ça, je viendrai. En tout cas, je viendrai. Madouid, c'est de la Kémenidna, car Dounfgiakina ou Nupuir, c'est très tard. C'est l'Afrique, Mess Charles Deho. إيك توالم إيك حملن جياس كان لوهايم كي تحمل الناس كان أرتقى غان تدويل تكين ما جار دوذ ما والنظام تدويل النظام إسياغان زينا مدينة قيمة ذي ثلويت